suis de retour en direct là devant le parquet. Vous venez d'ailleurs, je viens de vous publier la vidéo de l'arrivée du directeur du cabinet du chef de l'État, l'honorable Vital Kamerhe, qui vient d'arriver. Il est bien entré. Il y avait un engouement, en tout cas il est entré en cafouillage. Il y avait tellement du monde à l'entrée, mais il est quand même parvenu à entrer. On attend, il vient d'entrer et on attend. Dans peut-être 20-30 minutes, il sera de retour. On attend, tout le monde est dehors. Les militants attendent dehors. Et la tension, elle est bonne. Il y a une ambiance normale dehors. Et je ne suis pas seule, je suis avec un confrère. Voilà, je salue tout le monde. Prince Meji. Voilà, nous sommes là, venus justement couvrir cet événement. Disons que c'est un événement parce que c'est une première fois qu'un directeur de cabinet du chef de l'État soit invité au parquet pour une question de l'État. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vital Kamerhe a été invité. C'est une invitation, il faut en tout cas préciser, et non une convocation comme disent certains. Et certainement, Vital Kamerhe va donner certaines informations ou renseignements même sur le programme de son jour du chef de l'État. Et j'ose croire que à sa sortie ici, Vital Kamerhe pourra. Vas-y. Voilà, donc il est venu répondre à cette invitation et les membres de son parti, les militants de son parti, le cadre de son parti sont venus justement l'accompagner. Ils disent que ce n'est pas une agitation, mais c'est selon eux, il y a eu aussi un acharnement politique envers Vital Kamerhe et leur leader. C'est comme ça qu'ils ont voulu bien, ils ont bien voulu l'accompagner. Ils sont là en masse, vous avez vu, malgré qu'il y a cette épidémie, le coronavirus, qui ne cesse de faire des victimes à travers le monde, en RDC y compris. Mais ces membres, ces militants, ces cadres du parti n'ont pas voulu rester à la maison. C'est comme ça qu'ils sont venus accompagner leur leader. Alors nous attendons. Vital Kamerhe est déjà là, il est à l'intérieur. Certainement, il est déjà dans le bureau du juge et il va certainement ils vont parler et attendons voir la suite puisque nous sommes là, nous avons quitté ici uniquement que lorsque lui également sortira du parquet. Nous attendons que Vital Kamerhe nous sorte, mais à notre temps, je signale ici que à l'UNC, il y a le calme, les membres du parti sont vraiment calmes et TC1. Il reste optimiste que Vital Kamerhe n'y est pour rien. Quelqu'un qui a autrefois dirigé l'Assemblée nationale, il n'a jamais été cité dans des détournements de fonds, de l'argent de l'État, et ce ne sera pas aujourd'hui. Voilà pourquoi ils sont vraiment à l'aise et calmes. Ils se disent que Vital Kamerhe sortira d'ici un homme fort et un héros. Voilà. Ok, vous avez bien suivi Prince Mejadi. Tout est calme. On attend qu'il sorte. Voilà. C'est l'un aussi de cadre de l'UNC qui est venu soutenir son président. Un mot, le président vient d'entrer, le DIRCAB du chef de l'État vient d'entrer tout de suite là dans le bureau de DIRCAB. Votre état d'esprit? Je suis d'abord honoré par sa présence parce que nous avons prôné un état de droit. Il leur a montré qu'il va affronter la justice. Il croit en notre justice, il croit que non, c'est que les allégations portées contre ce sont des allégations mensongères. Il va répondre, nous avons nos avocats, lui-même il ne se reproche de rien, c'est pourquoi il est venu en personne, il est de mandater les avocats. D'accord, merci. Comme je vous le dis, on va circuler en attendant que le directeur de cabinet est dans le bureau du procureur. Je vais vous faire vivre l'ambiance qu'il y a ici dehors. Les militants sont dehors, ils sont en train de chanter. Il n'y a aucune agitation, il y a eu engouement parce qu'il entoure dès son arrivée. Mais là, tout est calme. On est humain, vous comprenez, des petites interceptions. Sinon, tout va très bien. On attend qu'il sorte. Les militants sont là. Il y a la police.
police qui cherche à mettre de l'ordre. La police est en train de faire de l'ordre ici. Le directeur du cabinet est déjà au bureau du procureur. Madame la journaliste, la police ne met pas de l'ordre. La police, ce sont les agents des ordres. Ils sont en train de faire des désordres. Voilà. Il y a toujours des points de vue. Mais ce que je constate, c'est que le travail de la police est fait. On demande à tout le monde distanciation par rapport à ce virus. Donc c'est un peu ça ce qui se passe ici. Comme vous le voyez, tout se passe normal. Il n'y a pas de problème entre le militant et la police. On essaie de calmer les choses. Tout le monde est serein et calme là. Tout se passe bien. Doris, tu cherchais Diane. Doris, Diane Yeo. Tout le monde est Diane. Maman, Doris, je suis là. Salut. Je suis là. En tout cas, je ne pouvais jamais manquer parce que Vital Kamerhe, c'est un barbare de la politique de notre pays, la République du Congo. Nous sommes là. Il a respecté l'heure. Il est arrivé à 13h05, mais il a été invité à 13h05, vu les embouteillages, je ne sais pas, mais en tout cas, il a respecté l'heure. En tout cas, c'est un blanc. C'est un blanc et nous attendons la suite. C'est juste une invitation. C'est normal que la presse ne participe pas. Et peut-être à la fin, nous allons savoir c'était quoi l'objet de cette invitation. Bien que nous savons déjà c'est par rapport au programme de 100 jours. Mais nous allons en tout cas attendre comme journaliste la fin de cette invitation ou bien de cette entrevue. Merci. Nyota, tu es content? Tu es content parce que là, tu as vu Diane. Tout n'a pas place à ça. Bonjour, elle a réagi. Nyota, on est là, tu cherchais Diane. Dans lequel il est dans la foule, elle est là. Voilà, dehors, voilà comment les choses se passent ici. Candez à la carte, moi la police, moi ni donc. Vous voyez, regardez les gars, la qui. Donc, tout ira bien, tout se passe déjà bien. Moi, ma kélé, moi, militant, moi, au tétis, moi, si malheureusement, ma tête, pour ça, vous repousse la tête. Mais sinon, ça va, mais je vais un peu voir de l'autre côté ce qui se passe là-bas, de l'autre côté. Je vais comprendre ce qui se passe là-bas. Voilà. Il y a maintenant un jeu de pierre. Il y a des mille voix. Il y a des ouais. Le calme. Ok. Merci. Voilà. Tout se passe très bien. Très très bien, maman. Le Durka vient d'entrer. État d'esprit. Très bien. On est confiant. On s'inquiète même pas. Ok. D'accord. Merci. Voilà. Tout est calme. Voilà. Ça sent pas très bon de l'autre côté de la rue. Ça ne sent pas très bon de l'autre côté de la rue. Voilà. Il y a un jeu de pierre. Un groupe de Wewa qu'on sait d'où ils viennent. Mais là, ça risque de dégénérer. Je ne sais pas comment on arrive là. Je signale qu'entre le militant de l'UNC et la police, tout est calme. On se demande c'est qui ceux-là qui sont de l'autre côté qui fait le jeu de pierre. On ne sait pas ceux qui sont. Voilà, il y a des militants de l'UNC qui sont là. Le directeur du cabinet vient d'entrer. Votre état d'esprit? Ah, nous sommes, l'état d'esprit est tellement serein. Nous sommes très confiants envers notre leader. Nous savons bien que nous, c'est une simple invitation et pour la communication qu'il va à des fois peut-être passer à 40 minutes et puis il va sortir. Donc nous sommes venus justement l'accompagner puisque c'est un grand leader, ce n'est pas une personnalité politique, mais c'est un grand leader politique de la RDC. Merci beaucoup. Voilà, je viens de vous faire voir comment ça se passe de l'autre côté. Sinon, tout va bien. Tout va très bien. Là, le cortège du directeur du cabinet est justement là, juste devant l'entrée principale. Ça va? Ça va. Juste devant l'entrée principale, ils sont là, ils attendent. Ils attendent de protéger là. Tout est calme. Tout est calme. Je répète encore, entre les militants de l'UNE et la police, il n'y a pas d'intercation. Tout se passe très bien. Voilà, ils sont là, tout est calme. Parce que tout le monde attend.
tout le monde attend. Tout le monde attend. Là, c'est les directs de ce Bigal là. Oh, ouais. Ah, ouais. Donc, tout le monde est là. Mais tout le monde est là, la Kanda. Tout le monde est là. Oui, le directeur du cabinet du chef d'État vient d'entrer. Ouais. Votre état d'esprit comme ça. Non, non, ça fait fâcher. On sent de l'ingratitude, du manque de reconnaissance dans tout ce qu'on est en train de vivre. Donc, l'innocent Vital Kamerhe s'est fait répondre au devant de la justice parce qu'il y a des gens qui, apparemment, ne veut pas qu'il soit où il est. Mais il faut dire vrai que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Le président Vital Kamerhe a beaucoup lutté pour que nous ayons ce pouvoir. Et aujourd'hui, il y en a qui veulent consommer sans le président Kamerhe. Mais c'est quand, ce qui crée, quand vous c'est dites, ce qui crée quand la vous le dites, c'est apparemment, vous connaissez ceux qui sont en train de s'acharner sur Bon, regardez, il y a des gens, nous sommes, vous pouvez vous imaginer quand on vous appelle au paquet comme ça, ces dossiers, je ne peux pas dire qu'on connaît trop, mais je dis que c'est plus politique et juridique. Et tout le monde le sait, je ne suis pas le seul à le savoir. C'est vraiment une question politique, mais qu'on amène au parquet parce qu'il y a celle-là qui se pense très fort au parquet. C'est tout. Donc ça dégoûte, même ça dégoûte, parce que quand vous faites des accords, on doit quand même les respecter jusqu'au bout. Et c'est ce qui est sinon, vous restez serein. Bon, on reste serein derrière les pacificateurs, mais moi je me dis que, par exemple, vous imaginez. Quel peut être l'état d'esprit de ceux qui sont au grand qui vous, ceux-là qui ont donné leur voix aux parce qu'ils savaient que le président Vital Kamerhe était là. Et si vous voulez retirer Vital Kamerhe dans ces jets-là, allez-y comprendre que c'est de l'ingratitude face à la famille du grand qui vous. Vital Kamerhe, au-delà d'être un président d'un parti politique, il représente une population, c'est un système, c'est une force, on ne peut pas l'humilier jusqu'à ce niveau, nous sentons vraiment de l'humiliation. Mais ce que j'apprécie chez lui, c'est que je me dis que Vital Kamerhe est resté un modèle. Il est resté un modèle et il a montré devant la face du monde, pour ceux-là qui ne le croyaient pas, qu'il pouvait respecter la justice. Et demain, nous voulons voir les autres aussi, qui sont coupables malheureusement, les ciblés vivement, venir répondre devant la justice. Il ne faut pas qu'on ait aussi une justice sélective, c'est tout ce qui nous inquiète aussi. Merci beaucoup. En attendant, on continue à circuler. Tout se passe bien. Votre état d'esprit, vous êtes serein? Oui, on est. Non, on ne peut pas avoir peur. C'est... Okay. On est habitué à ce genre de choses. Madame Esther Tama, oui. Le directeur du chef de l'État vient d'entrer. Oui. Votre état d'esprit? On est là, on est très serein, on est calme parce que la justice va faire son travail. Nous sommes venus nous présenter pour montrer au monde que l'état des droits est réellement en RDC. Nous sommes là pour représenter cette caméra et tout va bien se passer. Il n'y a rien à craindre. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, tout le monde est là. Tout le monde attend. Tout le monde s'est dit serein. Ils attendent la sortie du directeur du cabinet. Bonjour, monsieur David. Vous êtes là. Le directeur du cabinet vient d'entrer. Et ce qui est d'abord bien, nous avons constaté qu'il a été à l'heure. Il a respecté son heure d'arrivée. Et votre état d'esprit par rapport à cette situation? Bon, nous gardons la sérénité. C'est un homme de principe, un homme de droit. Alors, il a eu l'invitation, il est venu répondre. Nous sommes là en soutien et nous sommes sereins. Ok, merci beaucoup. Merci. Okay. Bon, comme je vous le dis, on va continuer à vous informer par rapport à tout ce qui se passe. En attendant que le directeur du cabinet est au bureau du procureur, nous allons faire une pause, mais restez branchés. Je vous ai promis depuis ce matin que je vous donnerai en détail l'évolution de toute cette situation ici à partir du parquet de Matete à Limete, 4e rue résidentielle.
je suis à l'intérieur. Le chef est au bureau. Le directeur du cabinet du chef de l'État est déjà au bureau du procureur. On attend. Voilà, on est là. Là, on est à l'intérieur. On attend. Voilà. Et là, je ne suis pas seule, il y a... Maman Anne Doula et maman Anne Nongo. Oui. Maman, vous êtes là. Vous êtes déjà ma tati. Quelle caméra est à côté du bureau? État d'esprit, les amis. À Zalzen, à côté de la mobile, à côté de la mobile, à côté de la moto, à Zana Guanya, à Zana Kimia, à Zana Mona, à côté de la Guanya. À Zan Sire, à Zan Mona, à côté de la société, quand on a eu à se présenter, les gens disent la Toyota. Merci beaucoup. Le direct. Je ne peux pas couper, je fais le direct. Attends, d'abord, 7 mois, 8 mois à l'Assemblée nationale. T'as vu comment tout n'a pas mot. Malo bateke, complicité. Voilà. On est là. Mais bison, ton âme camarobana. Voilà. Ah, Tozana, les grands leaders qui sont bons. Tozana Awa, le directeur du chef de cabinet, directeur du cabinet du chef de l'État, pardon, Aouti Kokota. Si quoi on a bureau, t'es téléminique, on a bateau, on comprend, on est devant le bureau du procureur. Alors, votre état d'esprit. Maman, mon état d'esprit est tout à fait apaisé. Ezali Amutoyo, Azali Kimia, Oayebi. Certitude, na bosolo etamboli ya tata mokonzi na ye Vital Kamerhe. Vital Kamerhe batu balobaki moko contraigné kokanga ye. Oye azali na rang ya vice premier ministre oye normalement foki kosambisa ye okoleka kunda na bazuzi ya cour de cassation. Mais na yango justice ya mboka ekoki kobengisa ye koyoka ye mpe apesa information to renseignement na likambo oyo to pakala. Bana mboka na kanisi place bozali bozala na kimia. Vital Kamerhe égal à lui-même. Abunda Kanako Isambo, Elombo Mobali, Tata Vital Kamerhe, Alakisa Bolimoyamboka, le président de Tureko Lakisa. Moi, Lima, Tozali Simanaye, et tout va bien se passer. Parti à discipline, parti à masse, et à l'intellectuel, et à l'élite, UNC. Côté Puna Soke Zangi, et Zali Bissoté. Tozoke Nabango, Malembe, Tina Souka, 2023, Vital Kamerhe, président de la République. Merci. Merci, Mori. Vous voyez, quand on a eu Sibino, devant les bureaux, tous les deux là, Natiki Bato, Baza Libanda, la majorité de militants Batika Libanda, on a quasi, il y a pas mal de gens, il y a juste quelques avocats, quelques cadres du parti, on va poti Awa. Bon voilà, on attend, il est encore au bureau du procureur, on attend. Tous les deux là. Mais il y a des Kibino, beaucoup de live, il y a déroulement, il y a situation, ndenge kozala ti na suka. Voilà. Voilà. Ah ouais, toza bongo papa sango mokondi. Tomonio, oye na parke ya moto oko ki makolo bate. Non. Oko ke tsa. Sadi ngala za na na commentaire au salaté. Na lo bagamo de sa TV. Ti sikoyo. Na na moni place batangi kombo ya caméra. Na genda na prison, je suis le seul journaliste. A genda ki ti na prison.
Je suis le seul, j'insiste, le seul. Je pense que dans la TV, pour la salle compte rendu, place mon bâtiment au temps pour Vital Kamere et Zalagi Nambita. Je suis journaliste d'investigation. Zalagi convoqué avant hier, Nayaki Awa, faute à irrégularité, moyen se présenter et à la guider. Deuxième convocation, il y a Awa. Là, le rôle de journaliste, il y a Nazaka Mona Kamba. On attend. Ça dit, là, la limite, pour le moment, on ne sait pas qualifier quelque chose. Donc on a encore la bouche fermée, on attend. Ce qui est abîmique, c'est en ce moment-là, ce qui est moi, ça les déclarations, on pourra avoir une idée. Mais pour le moment, on ne sait rien dire. Ah. Ok, quand même, le vite, on va pas mon attendre. Donc, on est à Awa. Ok, on va mon attendre au Toloba. Oh, ton monité, ton yokité, ton Toloba. Donc, ton yé, ton télémino Awa. Les autres, là. Ce qui va s'y faire, c'est Kati, à Kobima. Voilà, là on est avec excusez-moi, comprenez, on est avec le masque ici, c'est compliqué. Voilà, Vital Kamere est venu répondre à son invitation envoyée par le procureur du parquet de Matete. Qu'est-ce que vous dites de cette situation? Quel est votre état d'esprit? Vous qui êtes vraiment très proche de Vital Kamere, quel est son état d'esprit? Bon, le président national, le directeur de cabinet, le chef de l'État, est calme, serein comme on dit toujours. Pour nous, c'est une procédure normale, sauf que c'est pour certaines personnes, ils veulent s'en servir pour penser nous humilier ou pour penser nous salir. Mais on doit rappeler à tous que c'est dans un cadre normal où le président n'a pas informé. Ce n'est pas une interpellation, comme certains peuvent le penser, c'est une information. Donc, il est venu répondre à certaines questions, il est venu éclaircir certains sujets et dans quelques minutes il sortira et on l'accompagnera à la maison comme on l'accompagne ici. Merci beaucoup. J'ai besoin de répondre à une question. Oui. Non, on est là en train de donner, rendre en direct la situation de ce qui se passe ici au parquet. Si tu as à dire, voilà. Oui, normalement, nous, ici au parquet, nous sommes venus voir comment finalement fonctionne l'appareil judiciaire. Et surtout, sa grandeur. C'est pour cela, moi-même, personnellement, je l'appelle un perchero, parce qu'il est au-delà des niveaux des hommes de la terre. Et voilà, aujourd'hui, par rapport à l'an 2017, on ne pourrait pas convoquer au parquet un directeur des cabinets du chef d'État et il se présente au parquet ici en RDC. Voilà aujourd'hui, dit son rang, il s'est présenté lui-même personnellement sans envoyer des avocats au tribunal. Cela nous réconforte dans toute notre élite et nous disons vive l'INC, vive Vital Kamere. Merci beaucoup. Bon, je dois prendre aussi une petite pause, le temps que, qu'on attende que le directeur du cabinet du chef de l'État, Abimana Gro, pose. Hapa tuko hapa ku parquet général, pamoja na mzee anapanza kuingia ndani, sai iko en direct, ni Emedo, Emedo mobilisateur wenu, niko hapa tunakia sindikiza mzee, niko ke muone gisi batu liko. Na nikaenda huku mtajionea tunaenda paka huku ni fujo iko mingi sana paka huku parke yote hii hapa ni terrible donc nasalimia Obama mwenye ko hapa tuko hapa ku parke general pamoja na mzee anapanza kuingia ndani sai iko en direct ni Emedo Emedo mobilisateur wenu niko hapa tunakia sindikiza mzee niko ke muone gisi batu liko. Na nikaenda huku mtajionea tunaenda paka huku ni fujo iko mingi sana paka huku parke yote hii hapa ni terrible donc nasalimia Obama mwenye ko hapa tuko hapa ku parke general pamoja na mzee anapanza kuingia ndani sai iko en direct ni Emedo Emedo mobilisateur wenu niko hapa tunakia sindikiza mzee niko ke muone gisi batu liko. Na nikaenda huku mtajionea tunaenda paka huku
chers compatriotes, au revoir, Boutika la Malamou, Benobika Lambote, Wandugo Apenzi, tout la Malisa, tout à Onana, Kesho, Pampangiamono Yaluzolo, Benobika Lambote, Betu Tamalana, Mbas. Voilà, Betu Bas suivi, Chalai Bip, Nitumunana. Chikondo chikwabu kufideo mkwabu. Ana lingo ambo shila.